merci à mon grand plaisir de nous croiser aujourd'hui pour présenter une édition nouvelle tout neuf sur Radio Panouan. Hier, président Jovenel Moïse, le président de l'Assemblée là, fait un pile marché, monter et descendre dans la ville Gonaïve. Est-ce que c'est un défi l'ital bail ou bien un défi l'ital levé? Jusqu'à présent, nous pas connaît. Mais en tout cas, président marché de plusieurs donc sens là, minutes, donc sens là, dans la ville Gonaïve, la caille Yuri la Tortue. Mesdames et messieurs, donc qui lui-même te fait comprendre, à président lui-même, il n'est pas qu'à venir dans la ville. Jovenel Moïse, il fait clown dans Gonaïve pendant que États-Unis même, il monte ton an et il condamné en série d'actions autoritaires. Il y a une information qui était relayée par site du gouvernement dominicain. Et puis, il y a là, conseil des droits de l'homme, il y a même été là, donc à 46e session 2021, cap commence là, donc 22 février au 23 mars. L'autre, ça qui est pour vous avec nouvelle, Open Australie Naomi Osaka, les mêmes les bat Serena Williams, une autre fois encore, donc c'est là. Donc, bagala li même, li pas facile. Nan dernier jour sa yo, t'assemblé pa gen moun. Donc, qui li même, ka mayen Naomi Osaka. Alors, jeudi 18 février. Donc, 18 février 2021, même, licence la 3h45 de l'après-midi à Melbourne, en Australie. 11h45 à Port-au-Prince, toujours mercredi 17 février. Alors, numéro 3, Naomi Osaka, lui-même, lui bat numéro 10, Serena Williams, donc, pour capable accéder à, dans ce sens-là, à finale de Open Australia. Moun pas capable, moyen, Naomi Osaka. Mercredi 17 février, donc, longue quête de Serena Williams pour un 24e titre, donc, à grand, donc, à Chelem, lui-même, il t'a dû l'attendre, car, une fois de plus, meilleure joueuse de tennis féminin, les mêmes limités sont là en travers, donc à deux chemins. Naomi Osaka qui pas perdu un seul match officiel depuis février dernier, réalisé une performance dominante en demi-finale de Open Australie. Pendant ce temps, il bat William 6-3, 6-4 et limité la fin à espoir de américaine de 39 ans, donc pour égaler record de Margaret là, donc à court en tournoi, donc du grand chelem. Donc en Osaka, en quête de quatrième titre majeur et deuxième championnat de Open Australie, donc même la pour affronter gagnante donc de deuxième demi-finale là entre américaine Jennifer Brady et donc tête de série numéro 22 et Carolina donc Muchova tête de série numéro 25. Mesdames et messieurs, bagala pas douce du tout pour donc ça c'est là Williams lui-même qui censé la tomber devant Naomi et Osaka. Mesdames et messieurs, donc c'est comme ça bagala lié, chaque prophète gain moment parlé, donc ou pas capable dominer pour la vie que de l'arriver faut ou aller quand même. William, donc à licence là, organisé un tournoi fantastique avant demi-finale là. Pendant ce temps, il était battu numéro 7, donc à Ariana, donc à Sabalenka et numéro 2, Simona Halep. Et en déplaçant, donc lui-même, sous terrain, donc avec plus de vitesse, hein, avec plus de vitesse. Li même là, licence là, donc sans cela, donc l'idée donc mettait en pile souplesse qu'elle même les pattes montrées depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, finalement, ce n'est qu'un au revoir l'alpha outli. Donc après match ça, mesdames et messieurs, donc mesdames yo, tu es obligé d'embrasser une autre. Donc c'est comme ça bagala. Lié, perdu ou pas, gagné ou pas, fuck ou même, ou montrer que ou à la hauteur, mesdames et messieurs. Donc gagné Yuri Chevry lui-même li pas donc que $500,000 donc Yuri Chevry donc qui ça qui passait à lui, donc li pas gain plus que $500,000 dans possession lui au moment que il était interpellé, donc au moment que autorité dominicaine eux-mêmes il était interpellé le 16 février. Ex-maire de Port-au-Prince là Yuri Chevry li pas ta gagné en pile l'argent sur lui que $500,000
américain au moment donc de arrestation là donc pas force de l'ordre République dominicaine yo contrairement à rumeur donc à qui lui-même répandu donc sur réseaux sociaux yo en tout cas 500 000 sorti monnaie comme ça monsieur lui-même il était gagné en poche lui pour voir s'il a sauvé arrestation a été eu lieu dernier donc dimanche dernier dans poste de frontière de Santiago de la Cruz là dans province de Dajabón chez lui même il était mandé là à autorité dominicaine yo pour que eux même yo pas renvoyé en Haïti donc à part crainte que lui même pour patrouiller après yo te fini censé la arrêter lui même il te rapporté que yo même yo te donc à emmener donc à Fortress donc à Debelair donc à de l'armée de la République dominicaine nan, mesdames et messieurs donc monsieur paix pour pas touyer mais li pa paix le fait que yo associé ensemble avec monsieur dame fantôme 509 yo comme moun k'ap financé yo l'autre ça qui rapport avec nouvelle Maxime Waters de même li mandi la à Biden pour l'appliquer le roi donc Magnitsky là donc compte donc yon série de personnalités donc pour l'appliquer li compte donc fonctionnaire de régime de facto Jovenel Moïse là donc qui ça Maxime Rod lui même qui pour voir ça donc lui même lui c'est représentant du 4e district du Congrès de Californie depuis 1991 dans un éditorial publié par quotidien Miami Herald 17 février même les qualifier coup d'état de Jovenel Moïse le 7 février yon attaque honteuse contre démocratie mesdames et messieurs États-Unis les même les doit censé là conformer à interdiction de loi l'IA donc relativement à soutien financier donc à force de sécurité donc impliqué dans ces violations de droits humains et appliqué là il y a ces sanctions donc de loi global Magnitsky là donc à tout fonctionnaire de administration Moïse impliqué dans violation donc de droits humains ou bien dans corruption selon ça qui écrit Congrès américain. Est-ce que Haïti là lui-même lycée yon entité ou bien lycée yon backyard ou bien lycée censé là qui ça Haïti est pour les États-Unis qui genre ces congressmen américains qui prend décision pour donc sous deux pays d'Haïti en tout cas bagaille ça yo même yo ont gens compliqué pour qui ça même opposition hein les que li pas comprendre li pas content yon bagaille la demander aide États-Unis pour mettre yon président dehors. Donc qui Jean Bagaille ça lui-même lié exactement nan qui ça lié est-ce que nous occupé dans mentalité non donc même si nèg yo pas souterrain avec gros bot yo en tout cas Bagaille ça la jeunesse lui-même li ta doit poser question sous affaire ça yo pour connait qui Jean Bagaille ça lié qui ça cap passer exactement côté nous yé mesdames et messieurs. Non ça qui a rapport avec l'autre nouvelle donc gagné en pile l'autre nouvelle pour nous baou alors Québec là y a manifesté vendredi contre support du Canada donc lui-même à Jovenel Moïse ou bien à Haïti gros manifestation fait dans Québec pour capable manifester donc contre donc appui Canada lui-même pour retourner à Divalieris en Haïti alors rassemblement lui-même c'est vendredi 19 février 2021 donc à midi devant bureau de nouveau ministre des Affaires étrangères de Canada Mac donc Garneau donc 4660 c'est rue de Sainte-Catherine donc à Westmont donc à Québec lui-même c'est la question lui-même li pral poser c'est la doléance même yo pral la porter yo mesdames et messieurs donc yo mandé définitivement pour pas gen pièce moun pour pays Canada lui-même pour camper tout support à Jovenel Moïse c'est ça moun yo même yo censé mandé mesdames et messieurs. Donc bagaille même yo pas facile, c'est tout côté au passé net. C'est pas problème ça, c'est un autre problème assez comme ça zin lui-même licencié différentes personnalités, yo même y a demandé là Fok Jovenel lui-même li aller un fol quitter pouvoir, qui laisse qui va le remplacer. Donc à ta semblé là gonti problème technique, plusieurs monde yo même yo pas choisi pour comprendre rien. Donc si ça yo vle ya ça autant dans la rue ya c'est lui même tout monde a réclamé en tout cas
yo pral la fè gros sitting la, yo manye pou kapab mande pou peyi Canada li menm li sispann supporte diktatur an Haiti nan yon periode kote y ap pale de referandom konstitisyonèl, t'asemble menm yon pati nan diaspora, yo menm yo pa vle reforme konstitisyonèl la, yo pa vle pou Haitien deyò, yo menm yo patisipe nan anyen an dan peyi a. Mesdames et messieurs, donc en courant cap mené yo a fait tout monde paraît pour imbécile, pièce monde pas veut comprendre rien. Winter storm donc yo même, il y a un in là donc aux environs de 6 à 10 inches donc de snow capable venir à partir de jeudi. Mesdames et messieurs, c'est une alerte à tempête de neige et même li en vigueur donc pour ville de New York et la plupart donc c'est les régions environnantes y compris Long Island donc Bassa Valley donc de Hudson et puis nord de New Jersey et sud-ouest de Connecticut donc de 6h du matin jeudi à 4h dans après-midi vendredi. Mesdames et messieurs, alors donc département qui est responsable pour ça fait ça les mêmes Water Service les mêmes les ils fait sortir là you note donc the winter storm donc watch donc pour New York City and the surrounding area donc ahead of 6 to 10 inches of snow arriving Thursday. Donc yo censé la faire comprendre faut que yo prend pile précaution à partir de les ça donc yo même c'est ça qui capable arriver donc the high will reach 32 Wednesday afternoon before cloud anchors in the evening and snow arrives from the southwest overnight. So c'est à partir de moment ça yo de mercredi à jeudi donc pour que mon yo même yo garder pour qu'on ait donc météo à la bouche pour veiller bien ça qui pral passer yo nan bloc là donc à cause de stop ça yo même yo pouvoir qui ca prendre de 6 donc à 10 inches mesdames et messieurs donc c'est comme ça ça fait les mêmes li censé n'a avancé tical patical teasing patising notre très très bref jeudi à la nouvelle n'a fait qu'on également Jacques Mugabo les mêmes li seyon nan assassin présumé de Floribert donc à Chebeya donc à Fidel donc à Bazana donc à les mêmes li arrêté à Lubumbashi. Depuis donc Biélorussie, deux journalistes yo même yo condamné à 2 ans de prison. Dans Géorgie, premier ministre donc a démissionnaire là après l'ordre lui même li arrêté yon opposant. Dans Japon, ministre donc de Josei Kowa donc n'a pas le de Hashimoto lui même li nommé là président de Tokyo après yon scandale sexiste. Donc Draghi obtenu la confiance du Sénat et lui-même lui voulait censé la reconstruire l'Italie. Mesdames et messieurs, les États-Unis donc yon cyberattaque en cours depuis plusieurs mois, il représentait là yon risque grave. Mesdames et messieurs, cyberattaque ça lui-même, c'est yon attaque censé la discrète, très technologique qui capable donc censé la étatique. Mesdames et messieurs, donc c'est comme ça en France également, yon même yon gen cyberattaque pa yo. Donc yon même y a dit ensemble avec l'Iconia États-Unis en cyberattaque lui-même en cours depuis plusieurs mois, il représentait là yon risque grave. Mesdames et messieurs, donc la cyberattaque ça de grande envergure, c'est une frappe de plusieurs ministères aux États-Unis et il représente là un risque qui grave mesure donc pour capable donc deux pour capable aller là donc à contrecarrer les mêmes li extrêmement complexe et difficile selon ça qui est prévu jeudi 17 décembre. Alors agence américaine dans les mêmes qui en charge de cybersécurité ça et sécurité de infrastructure si ça donc à président Elie Joe Biden les mêmes li déclaré donc yo très préoccupé donc par cyberattaque ça selon ça yo découvri week-end dernier. Mesdames et messieurs, donc bagala les mêmes li pas facile donc ça fait les nous prenons question Internet c'est veillé donc ça n'a pas fait veiller donc à bagayo parce que donc attaque ça yo même sont c'est des attaques technologiques où on doit seulement accepter un message et puis au bal ouverti pour rentrer la caillou où on doit seulement accepter pour lire une page dans un journal et puis c'est ouverti au bail après on lagué toute fatra en dans ordinateur là. Donc cyberattaque ça les majeurs c'est une attaque distraite qui très technologique qui capable étatique mesdames et messieurs donc sur toute la planète là
des milliers de sociétés et institutions, yo même yo doit vérifier si yo même yo utilisé une version piégée de logiciel donc de américain SolarWinds. Donc au cœur de une cyberattaque qui frappait donc à plusieurs ministères aux États-Unis. Alors cyberattaque ça lui-même licence là de grande envergure, représentait là un risque grave et yon c'est des mesures donc pour contrecarrer de yo capable extrêmement complexe et difficile. C'est ça qui prévenu jeudi agence américaine en charge de cybersécurité et sécurité de infrastructure n'a pas l'eau de six à mesdames et messieurs bagala lui-même n'est pas facile laissez pas les armes bonjour vous êtes chercheur associé à la fondation pour la recherche stratégique et vous avez écrit un ouvrage intitulé introduction à la cyberstratégie. Alors cette cyberattaque visiblement elle date du mois de mars dernier, comment se fait-il qu'elle n'ait été détectée que très récemment? Oh, parce que elle était extrêmement discrète, elle était extrêmement technologique, c'était quelque chose de très haute pointure, qui signifie que les agresseurs, c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit hacker à quelques puces dans son garage. Ce sont des très grands professionnels et qui ont fait quelque chose qui, sur le papier, est bien fait. Je peux vous en parler si vous voulez, vous l'expliquer. Alors, en français facile, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Alors, en français facile, vous avez une société qui s'appelle SolarWinds et qui a un espèce de logiciel qu'elle a vendu à tout un tas de grands comptes, et ce logiciel permet de faire de la supervision des réseaux informatiques internes. Voilà. Et ce logiciel a des mises à jour régulières, parce que tous nos produits informatiques ont des mises à jour régulières, ceux dont vous vous servez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et les pirates, ils ont utilisé, finalement, ils ont implanté une toute petite, ce qu'on appelle un cheval de Troie, à l'intérieur d'une de ces mises à jour. Et donc, c'est finalement le propriétaire officiel du logiciel qui a servi ses clients, qui a implanté ses clients, dans ses clients, ce cheval de Troie. Et là, le cheval de Troie, ils sont restés discrets au début, ils ont attendu 3 semaines que ça se passe, visiblement. Et puis, ils ont été visés quelques cibles de très très haute sensibilité, donc le ministère du commerce américain, le ministère des affaires étrangères, l'autorité nucléaire civile, pour aller chercher très discrètement tout un tas d'informations. Et ça, personne ne s'en est rendu compte, sauf une société de cybersécurité qui s'appelle FireEye, et qui a vu ça il y a une dizaine de jours, qui a dit, mais là, il y a des problèmes. Et là, depuis 10 jours, on est en train de se rendre compte que cette attaque d'espionnage, d'ailleurs, pas de sabotage, mais d'espionnage extrêmement évolué, durait depuis 6 mois et avait probablement, sur des cibles, c'est alors, pas tout le monde, mais sur des cibles à très haute valeur, récupéré énormément de renseignements. Parce que c'est effectivement la question qui se pose. Vous dites que c'est de l'espionnage, les pirates informatiques cherchent à recueillir des informations, ou bien cherchent-ils aussi à semer le chaos? On a l'exemple du système électrique américain qui pourrait être déstabilisé. Oui, il faut rester prudent. Vu la technicité, il s'agit d'abord de rechercher du renseignement. Cela étant, vous ne pouvez pas construire d'opération de sabotage si vous n'avez pas du renseignement préliminaire. Et c'est toute la difficulté des autorités américaines, et puis il y a peut-être des autorités européennes, on ne le sait pas encore de façon sûre, qui ont été touchées, va être d'évaluer qu'est-ce qui a été retiré, quelles informations, quels renseignements ont été retirés, et puis qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à partir de ces informations retirées. Donc il y a bien évidemment, comme toujours, des possibilités de sabotage derrière, mais pour l'instant on est, à ce qu'on en sait, dans de l'espionnage pur. Et on a une idée d'où ça vient. Vu à la fois les cibles et vu la technicité, sur un commanditaire, on va dire ça comme ça, qui est étatique. Même si alors là on n'a aucun nom, je sais qu'il y a des noms qui circulent. On parle de la Russie. Qui sont désignés. Oui, mais on n'a aucun indice tangible qui pointe sur la Russie. Alors la Russie est toujours accusée, mais vous avez tout un tas de pays qui pourraient faire ça. Ça pourrait être les Chinois, ça pourrait être les Israéliens, ça pourrait être les Iraniens, ça pourrait être tout un tas de gens, si vous voulez. En revanche, c'est probablement étatique, tellement c'est évolué.
Très rapidement, Olivier Kempf, est-ce que les Occidentaux, les services de renseignement occidentaux se livrent aussi à des cyberattaques? De l'espionnage, très probablement. D'abord, les Américains ont... Ok, j'ai noté de la séquence, ça, les mêmes licenciés. Alors, décryptage donc, de cyberattaques, ça, les mêmes avec logiciel Olivier Kemp, qui est absent, c'est là, c'est un chercheur associé de Fondation donc, pour Recherche Stratégique, FRS, auteur de Introduction à Cyberstratégie. C'est les mêmes qui t'a parlé là, des questions cyberattaques, ça, yon bagay qui, donc, sans cela, bah, tête fait mal à différents dirigeants dans le monde là, y compris, donc, dirigeants, donc, des pays États-Unis. Emmanuel Macron lui-même, licence la dévoiler stratégie, donc, en matière de cybersécurité. Donc, à qui stratégie Emmanuel Macron lui-même, licence la gagner, donc, yon ti nom qui toujours appris. Alors, 18 février, Emmanuel Macron lui-même lui présentait la stratégie de gouvernement en matière de cybersécurité, 1 milliard d'euros donc supplémentaires capable injecter pour capable mener donc à plan ça jusqu'à 2025 et lui-même licence là dévoiler pour le dévoiler on sait les grandes lignes donc après qu'il même les fins donc a entretenu donc à part visioconférence avec équipe informatique de l'hôpital attaqué alors en 2020 attaque informatique yo même yo augmenté à 250% sous planète là mesdames et messieurs donc c'est comme ça ça fait lui-même licence il a préparé n'a pour aller mais avant n'a rappeler que gagné là donc à qui j'ai au pral enrayer cybersécurité de ces nouvelles plaies donc de société connectée yo. Joe Biden donc a fait un petit parler avec Netanyahu lui-même par téléphone alors c'est un premier échange téléphonique diversement interprété. Donc gagné intense activité diplomatique donc pour tenter pour sauver accord sur question nucléaire iranien. Facebook a défié l'Australie pendant ce temps il bloqué donc contenu d'actualité li. Et puis gagné Birmanie on sait les hackers il y a même ciblé la jeune internet là donc à nouveau lui-même li coupé 7 minutes donc de terreur alors c'est un robot donc persévérance lui-même li pral poser là sur Mars mesdames et messieurs tennis Naomi Osaka lui-même c'est nouvelle patronne de tennis lui-même li pété fiel Serena Williams donc lui-même li censé la qualifier pour finale mesdames et messieurs donc c'est comme ça nouvelle là lui-même li censé y Nigeria enlèvement de 40 de l'autre monde alors donc à Kagara de provoquer là émoi et colère la caille population. République démocratique Congo, arrestation de Jacques Mugabo, yon assassin présumé donc de Chebeya à Bazana, mesdames et messieurs. Donc, c'est comme ça, ça fait lui-même. Licencié, donc, Georgie, démission de premier ministre suite à mise en détention de opposition, donc, et de opposition Santa Nicamilia. Mesdames et messieurs, c'est comme ça, question lui-même. Licencié, et pourtant, au Sénégal, commission qui chargeait pour statuer sur, donc, immunité, donc, parlementaire, lui-même, Do, lui-même, Sanko, lui-même, lit en place. Mesdames et messieurs, nous revenons dans l'espace pour que nous-mêmes nous allons faire route. Nous seulement rappeler, donc c'était gros match dans la ville de Gonaïves, côté la présidente République, là lui-même, l'étape fait monter les sons, il t'a parlé, il encore, il rappelé tout le monde, donc pas de monde dans le pays ça qui normalement, donc capable d'empêcher lui-même pour le diriger, et si on même fait le contraire, là bas, bon petit tap sous le domaine, mesdames et messieurs, fois ça, il n'y a pas qu'à exiler. Il n'y a pas qu'à censé la mettre dans la prison, ni il n'y a pas qu'à tout. Nous ne pouvons pas tuer ça, nous ne pouvons pas assassiner ça, nous ne pouvons pas emprisonner ça, nous ne pouvons pas. Non, pas c'est fake de balle. C'est ton plaisir pour me tenir ensemble avec nos amis qui déjeunent sur 712 779 34 605 562 36 08. Ça qui est sur www.doicefm.com. Les amis qui étaient sur site social, quel que soit côté OTIA, c'est sur YouTube. Toujours songez pour activer petite cloche là. Donc, associé ensemble avec Chanel là, c'est sur Facebook. Invitez l'autre ami lui-même pour la toujours tendre édition nouvelle ça. Donc, nous remènons tout. C'est un grand plaisir pour nous tenir ensemble avec nous. Si c'est volonté, mon Dieu, n'a croisé donc encore sur Radio Paola. Donc, pour une autre édition nouvelle, non pas ces fake de balle depuis ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, on y a un tiré ce mandat dérangé, non? Ça nous a tiré ce mandat là. On tiré ce mandat. Son tiré ce mandat. Bon, dis-nous. Pour qui ça nous pas de 4 ans et puis nous perd 6 années à 11 ans? Hein? On tiré ce mandat. C'est ça qui dérange nous, monsieur.
Les annonces présidentielles pour ce matin, la cybercriminalité en fin de compte qui effraie de plus en plus ces entreprises. Sont de plus en plus fréquentes. Elles ont quadruplé l'an dernier en France. C'est un phénomène mondial qui touche aussi bien les entreprises africaines faiblement protégées que les géants américains du net. Elles sont aussi de plus en plus agressives. Les hackers rançonnent les entreprises en installant des logiciels malveillants au cœur de leur système informatique. Un genre d'attaque qui s'est développé depuis 2 ans. Si l'entreprise refuse de payer, eh bien, ils menacent de divulguer ou de détruire ces précieuses données qu'ils ont d'abord capturés. Ce rançonnage se pratique à grande échelle car les criminels du net se sont industrialisés. Les développeurs de ces manuels les mettent en vente sur le dark web, tuto à l'appui et même avec des rapports précis sur la rentabilité du produit. Le retour sur investissement de ce chantage digital est faramineux, supérieur à 500%. Et les 27 attaques en France contre des hôpitaux, la pandémie a-t-elle rendu ces établissements plus vulnérables? Alors c'est vrai qu'avec le Covid, les établissements de santé ont été ciblés partout dans le monde, en France, en Australie, en Belgique, aux États-Unis, 250 établissements ont été visés pour le seul mois de septembre 2020. Les hôpitaux ont souvent des systèmes informatiques anciens, donc moins bien sécurisés. Avec la pandémie, le roulement du personnel s'est accru. Les procédures pour les approvisionnements en produits de santé se sont accélérées, parfois au détriment de la vigilance. La télémédecine a aussi explosé. Les attaquants ont bien compris les failles de ces entreprises et ont cherché à en tirer les meilleures parties, même si ces établissements n'ont pas forcément les moyens de payer ces rançons. En général, le confinement a provoqué une forte hausse du trafic Internet. Le terrain de chasse des hackers s'est donc fortement élargi. Mais le montant des rançons exigées s'est envolé, il dépasse le million d'euros. Cette inflation, c'est une nouveauté aussi de l'année 2020 et cela va avec la professionnalisation des cybercriminels. La rançon peut parfois aller jusqu'à 10 millions d'euros. Il est vivement recommandé aux entreprises de ne pas céder au chantage, mais parfois elles ne résistent pas, surtout quand elles obtiennent un dédommagement de leur assurance. Attention à la double peine, l'administration américaine menace de sanctions financières celles qui acquittent ces rançons et finance ainsi des entreprises criminelles. Pour éviter les pertes causées par ces attaques, les entreprises doivent donc bien sûr mieux se protéger. Même le marché mondial de la cybersécurité, Dominique, est en plein essor, en progression de 10% par an. Un marché évalué à 100 milliards de dollars, largement dominé par des entreprises américaines, où les Français ne pèsent que 5%. Ils ont pourtant des startups prometteuses, Cybel Angel, déjà présente aux États-Unis, VadoSecure, GateWatcher, des entreprises qui pourraient devenir des licornes valant plus de 1 milliard de dollars. C'est le vœu du président Macron. Le milliard d'euros promis servira à muscler la filière. L'autre volet passe par les enquêtes de police, la coopération internationale, pourquoi pas la diplomatie contre des criminels pour la plupart basés en Europe de l'Est et s'exprimant en russe. Mais en bref, dans l'économie aujourd'hui, Facebook défie l'Australie en bloquant les contenus d'information émis par ce pays. Oui, c'est une véritable provocation au moment où le Sénat australien s'apprête à examiner le projet de loi contraignant les plateformes numériques à rémunérer les médias. Le Google, en revanche, a déjà signé un accord confidentiel avec News Corp, le groupe de presse de Rupert Murdoch, à la manœuvre pour l'élaboration de cette loi. Bras de fer à suivre au moment où les gouvernements cherchent à encadrer un peu partout dans le monde les géants du numérique. Enfin, Dominique, Airbus essuie une perte nette d'1,1 milliard d'euros, et ce à cause du Covid-19. Oui, c'est une conséquence directe de l'assèchement du trafic aérien. La fréquentation a baissé de 66% l'an dernier. Les livraisons d'Airbus ont chuté d'un tiers.